Allez, encore un petit kilomètre et on découvrira notre village du jour. Nous allons aujourd'hui à Castellar, sortie Corté, direction Aléa et sur la gauche, direction le Bauge. Et on arrive, oui, il faut en gros de Corté, il faut une vingtaine de minutes et vous arrivez au village. Allez, je vous laisse découvrir un petit peu la route et le paysage. Et puis on se retrouve tout à l'heure au village. Voilà, nous sommes arrivés au village de Castellar que je vous propose de découvrir avec nous aujourd'hui sur notre page Facebook en 360 degrés. On arrive au bout de la route. Et bien maintenant, ça sera à pied. Ah, vous avez la vision. Vous cherchez quelqu'un? Nîmes, ah. Je me promène. Ah, d'accord. C'est Yann Menard. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Et là, je suis où? À la communauté de communes. À la communauté de communes, oui. Et vous ne voulez pas me parler? Ah, non, non. Voilà, là, on est sur ce rocher, là, ce piton rocheux. C'est voilà. Le fameux piton rocheux sur lequel voilà. Est adossé. Est voilà. Bien entretenu, là. Oui, oui, c'est une. On va juste jeter un coup d'œil là-bas pour montrer. Ah, inévitablement, nous aurons. Il y a pire, hein? Oui. Ah. Qu'est-ce que vous avez? Je crois que je suis jamais venue. Ah ben voilà, je vous fais moi aussi découvrir quelque chose dans votre propre village. Il y a pire avec le rocher en dessous. Même plutôt sympa. La communauté de communes, c'est combien de communes? C'est 12 communes, de Tralong à Foudit. La commune a fait l'acquisition de certaines ruines, combien? Oh. Là, il y a encore un projet en cours, 3 ou 4. Hein. 3 ou 4. Ouais. Et elles sont louées, toutes? Oui, oui, tout est loué. La fontaine avec... Voilà, le petit enfant avec son dauphin. Allez, on va jusqu'à l'église premier, après j'arrête, allez. On la prend par là. Voilà. Saint-Pierre-Saint-Paul. Saint-Pierre-Saint-Paul. Restauré aussi, a priori. Oui. Alors, avec deux styles, le clocher, plus en pierre, et la façade de l'église qui a été... Récemment, ils ont installé le chauffage. Il y a le chauffage dans l'église. Eh ben voilà. Là, c'est la... Donc, il y a la mairie et la maison des loisirs. Donc, il y a une grande salle communale qui sert pour des... Vous êtes originaire d'ici? Moi, je suis d'Herbajol. Bon, même si originaire d'Herbajol, dites-moi pourquoi Castellar, c'est le plus beau village. Mais ça, il faudrait peut-être le demander à un castelléré. Vous avez du mal à dire c'est le plus beau village. Pourquoi? Parce que c'est un beau village. Parce que le plus beau village, c'est Herbajol, bien sûr. Mais ensuite, pourquoi Castellar, c'est un très beau village? Non, parce qu'il est regroupé. Et puis là, la situation, moi, je trouve que c'est... Bon, la poste continue de venir tous les jours ici pour donner le courrier. Oui, on emmène le courrier tous les jours. Bon, on tient bon. Merci, bonne journée à vous. Monsieur Olicci, je suis obligé de venir vous voir. Pourquoi Castellar, c'est le plus beau village du monde? Vous n'avez qu'à voir. Ouais, on monte. C'est quoi, c'est ça? Le gros atout de Castellar, c'est quoi? C'est ça. Ouais. Il y a pire, hein? Oui. Le matin, quand on boit le café... Oui, on est bien. Il n'y a personne qui vous embête. Bon, merci, je vous laisse travailler, parce que c'est la pause de midi, là, on n'a pas longtemps pour manger, retourner au boulot. Bon, merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette petite promenade à Castellar. Monsieur Willicci, à bientôt. Au et puis nous, on ira voir un autre village bientôt. On espère qu'il sera aussi beau, mais on n'en doute pas, et qu'on sera aussi bien reçu. C'est vrai qu'ici, on est bien reçu. Alors, venez à Castellar. Les gens sont sympathiques, c'est à 20 minutes de Corté. C'est beau, c'est entretenu, c'est sympa. Bon, ok. Il faut marcher un peu dans les escaliers. Mais franchement, ça en vaut la peine. Allez, à bientôt.